Merci d'être ici aujourd'hui et de participer à cette importante discussion. Comme vous le savez tous, le Canada est fier d'accueillir le sommet du G7 cet été à Charlevoix. Ce sera, pour tous les pays membres, une occasion de recentrer leur attention sur les enjeux les plus importants et de trouver des solutions durables qui feront une vraie différence dans la vie des gens. Nous attendons le sommet de cet été avec impatience, mais heureusement pour nous, la présidence nous donne la chance de vivre le G7 toute l'année avec des partenaires comme vous. As many of you know, we've already announced the 5 themes that will guide the G7 program in June, including investing in economic growth that works for everyone and preparing for the jobs of the future. We chose these themes specifically because we think they reflect the new challenges facing businesses and workers today. The business world is entering a new era. Our world is constantly evolving, and the rapid pace of change is disrupting existing business models. To succeed, businesses now have to constantly innovate and be at the forefront of their industry. Les travailleurs, pour leur part, s'inquiètent de leur avenir et de celui de leur famille. Nombreux sont ceux qui se sentent laissés pour compte par la mondialisation, qui se méfient des avancées technologiques qui pourraient compromettre leur emploi. Il ne s'agit pas d'un enjeu unique au Canada, tous les pays du G7 doivent composer avec cette réalité. People are worried about their jobs, worried about their future, worried that there might not be a place for them in the new global economy. The anxiety they're feeling is justified. The tide of globalization has left many folks behind. So businesses and governments cannot neglect the responsibility that we have towards the people who work for them or who elect them. Ensemble, nous devons tracer la voie à suivre. Nous avons besoin d'une stratégie à long terme qui assurera la réussite de la prochaine génération de travailleurs et d'entrepreneurs. In Canada, we've taken important steps in the right direction. To give folks a real chance to succeed in the new economy, we've invested in skills and training. This is great news for Canadians who have the tools for the jobs of tomorrow and for business who need skilled workers to stay competitive. Indeed, as part of last week's ministerial meeting on that topic, Canada announced that we'll be hosting a conference on the jobs of tomorrow and the future of AI this fall. This is part of our commitment to work with our partners to make sure that technological advances are synonymous with progress for all citizens. This government is also doing more to grant unparalleled market access to businesses and consumers alike. Through deals like CETA and CPTPP, we've made it easier for Canadian businesses, including small businesses, to reach new customers and cheaper for Canadians and their families to buy from our partners. And we won't stop there. Our trade minister was just in Paraguay to announce the launch of free trade negotiations with the Mercosur, which we hope will lead to more opportunities for Canadian businesses in South America. Vous auriez probablement remarqué aussi que l'égalité des sexes figure au sommet des priorités cette année. Il s'agit du thème sous-jacent de notre présidence. Au Canada, comme partout dans le monde, une grande partie de la croissance économique et de la population active à laquelle nous avons assisté au cœur des nombreuses décennies passées est attribuable aux femmes qui sont entrées et qui ont transformé le marché du travail. Aucun pays ne peut espérer atteindre son plein potentiel sans la pleine participation de tous ses citoyens, dont évidemment celle des femmes. Les gouvernements et les entreprises ne peuvent plus se permettre de fermer les yeux là-dessus. Including more women is not just the right thing to do or the smart thing to do, it's the only thing we need to do if we're able to move forward as an economy. Chers amis, nous sommes impatients d'accueillir le monde chez nous cet été. Ce sera l'occasion d'apprendre les uns des autres et de faire progresser nos priorités communes. Cela dit, il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Plus que jamais, nous avons besoin de vos points de vue et de votre expérience pour éclairer nos prises de décision. C'est pourquoi nous avons multiplié les rencontres ministérielles et les discussions comme celle-ci. I'm here today to hear from you and work with you so that together we can develop policies that keep our businesses competitive and ensure that our workers are able to fully share in the prosperity we're creating.
Grâce à vous, nous pourrons élaborer des solutions concrètes et durables et faire du sommet du G7 une grande réussite. Merci beaucoup. Thank you so much for contributing with your presence today.